Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour ce récap du je sais pas combien de journée des Worlds, où on va parler du coup de la première demi-finale qui a eu lieu entre les Weibo Gaming et les Bilibili Gaming, les deux équipes chinoises, respectivement Seed 4 et Seed 1 de la Chine, qui se sont affrontées du coup dans ce match. Les BLG qui s'étaient imposés face aux Anhua Life Esports dans l'écart, ainsi que les Weibo Gaming qui s'étaient disposés des LNG, c'est ça, dans les quarts de finale donc. C'était un peu l'occasion, on va dire, de faire un peu une retrouvaille pour voir si est-ce que Weibo allait réussir à créer la surprise comme il l'avait fait l'année dernière, où, rappelez-vous, ils étaient arrivés jusqu'en finale des Worlds, malgré le fait que, bon, on va dire qu'ils n'étaient pas... Voilà, ils n'avaient pas l'air d'être l'équipe la plus forte du tournoi, mais ils avaient quand même réussi à faire, ma foi, un parcours plutôt intéressant avec leur composition de l'époque. Et là, du coup, on se disait, bah, est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer l'exploit, sachant qu'en plus, donc, BLG... Malheureusement, même si, du coup, effectivement, c'est une équipe qui avait des difficultés, on va dire, au début de la compétition, je pense que Weibo aurait préféré les affronter plus tôt, parce que là, c'est vrai qu'avec leur victoire qu'ils ont eue contre HLE, ils ont l'air un petit peu plus en jambes, on va dire, que juste avant. Donc, ça va être intéressant de voir, du coup, si Weibo peut quand même créer la surprise, si BLG, on va dire, va continuer sa série meurtrière, parce qu'effectivement, je me doute bien qu'étant le seed 1, bah, ils n'ont pas dû en perdre beaucoup des games contre Weibo, mais on verra d'où. Bien, comment est-ce que ça va se passer. La game 1, mesdames et messieurs, déjà on voit qu'il y a une draft particulière qui a été tentée, c'est la fameuse draft on scale avec Smolder du côté des BLG, une draft qui a été notamment utilisée par Genji lors de la dernière game contre FlyQuest dans le BO des quarts de finale. Donc on voit déjà que le Smolder, lorsqu'il n'est pas ban, il est quand même souvent pick, et on fait quand même pas mal une draft autour de ça, même si on voit quand même qu'il y a quelques éléments intéressants qui sont rajoutés dessus. On a l'emblématique Jax de Bean qui va certainement être le pick qu'il va récupérer dans toute la compétition s'il n'est pas ban. Et on a aussi du coup le Skarner qui est donc un pick extrêmement fort aussi qu'on a, on a pu voir dans la compétition en général. Et par contre, l'épice, on va dire, vient du coup de la botlane Varus Nico. Donc Varus létalité dans cette game-là. Avec du coup une Nico support qui va être là pour créer un petit peu l'engage pour sa team en général. Alors après, j'avoue que je sais pas trop, on va dire, pourquoi est-ce qu'on part dans une draft, on va dire, avec pas mal d'engage derrière si on joue avec un Smolder Skarner. Je suppose que Skarner, ça peut, on peut rentrer dans une compétition full engage, mais c'est vrai que on aurait tendance à plutôt être dans une composition un petit peu plus défensive, on va dire, lorsqu'on joue avec Smolder. Mais on va dire qu'au moins les phases de lane ont l'air d'être quand même plutôt intéressantes, en tout cas du côté de la bot lane, du côté de BLG, pour qu'on va dire, il se passe pas trop forcément trop de problèmes, on va dire. Il n'y a pas trop de problèmes en early game. Du côté des Weibo Gaming, on est sur l'agressivité. On est vraiment sur une draft carnivore, là. On est sur le fameux Yone, dont on a, on va dire, parlé très très souvent, qui du coup commence à avoir un petit peu moins de résultats en ce moment. Il a un peu moins le vent en poupe que plutôt dans la compétition, ce qui est un petit peu normal. On va dire que les niveaux ont tendance à équilibrer, on va dire, et du coup, les différences individuelles ont de moins en moins de chances d'arriver, on va dire. Du côté, du coup, ensuite de la botlane, on a la Kalista Renata qui va être... une botlane, ma foi, plutôt puissante, on va dire, dans le 2v2, qui pourrait, on va dire, surprendre si, effectivement, il n'y a pas de swap lane, mais il y aura très fortement, très forte chance pour qu'il y en ait un, du coup. La Poppy, qui va arriver en top lane, si je ne me trompe pas, du côté de Brief, pour contrer le Jax de Bean. Donc, je suppose que c'est un peu le plan qu'il essaye de mettre contre le Jax pour essayer de faire en sorte qu'il ne fonctionne pas trop bien, ou en tout cas pas aussi bien que BLG voudrait. Et derrière, on a le Brand qui est sélectionné en jungle, malgré les nombreux nerfs qu'il a subis ces derniers patchs, du coup, notamment au niveau de son clear speed. On va voir un peu si ça impacte son clear en général et la capacité qu'il aura potentiellement à se mettre devant dans la game. Et alors, bon, je vais forcément trop parler de l'early game dans cette composition, enfin dans cette game en général, mais juste pour parler d'un truc qui me chiffonne un petit peu dès l'entrée de jeu, c'est à quel point, on va dire, c'est les Weibo qui vont, on va dire, initier ce swap de lane et pas les BLG, ce que je trouve particulier parce que bah, je suppose que si t'as pris Kalista Renata, c'est quand même pour une botlane plutôt strong en termes de Arras et tout, et de potentiel trade en 2v2. Et du coup, c'est vrai que c'est très bizarre de quand même tenter le swap et d'initier le swap lane, on va dire, de leur côté, plutôt que d'essayer de jouer la lane. Alors que franchement, je pense que si tu joues Kalista, c'est peut-être franchement pour ce genre de moment, on va dire, dans la partie. Parce que là, du coup, j'avoue que j'ai du mal à voir la Kalista être aussi useful qu'elle pourrait l'être si elle avait effectivement pu jouer cette phase de lane, quoi. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que là, on skip à 22 minutes et il s'est absolument rien passé. Voilà, bravo à tous. La seule chose que vous avez loupé, c'est le premier sang qui a été récupéré par elle en mid lane sur un catch sur Crisp. Hein, bravo à tous. Sinon, on est sur absolument rien qui s'est passé. Et du coup, on est à la 22e minute de jeu. On a eu deux Drake récupérés par BLG contre 5 Grubs pour Weibo.
Et le Mulder, il est à 216 stacks. On n'est pas encore au 225, je crois que c'est 225 le, on va dire le breakpoint, mais on est voilà, on va quasiment l'avoir. On l'aura pas forcément pour le fight, ce qui est un peu dommage du coup pour Belger, mais il y a moins qu'il l'ait pendant ce fight. Bref, on va essayer d'un peu d'engager ce Drake des nuages pour essayer de potentiellement récupérer l'âme. Et là par contre le BLG, on va dire qu'il va y avoir un petit carton jaune dans cette phase de jeu. Donc déjà on a un gros flash-in sur Brief qui va partir sur, On. On dit ah, il va tenter d'engager Brief, mais sauf que non. En fait c'est un ulti qui part et hop on envoie le scanner sur Mars. Bon, personne se met devant le scanner. Parce que le but c'est de jouer un Drake. Mais du coup si vous voulez pas forcément avoir le Drake en priorité, le tentez pas ce Drake en fait. Si vraiment le but c'est de laisser ce Drake, est-ce qu'on pourrait ne pas se mettre dans ce pit lane en situation de fight si vous voulez. Si vraiment vous voulez l'avoir, est-ce que quelqu'un peut se mettre devant ce Skarner, on va dire. Notamment On potentiellement, mais bon bref. Ça pour dire que du coup, on se retrouve avec un support comme On qui a quasiment plus de mana, le Skarner qui est sur Mars, et du coup on va récupérer le Drake assez rapidement et assez facilement du côté des BLG, pas des BLG, des Weibo. Et derrière, Xiao qui va tenter une engage qui va quand même réussir à trouver même si l'ulti n'est pas connecté, mais ça va être suffisant pour pouvoir, on va dire, mettre tous les BLG un peu low, et Blight peut arriver dans le teamfight. De l'autre côté, on a Bin qui s'est perdu sur la map avec son flank, parce que le flank est arrivé 20 ans trop tard. Là, il commence à flank alors que l'engage est déjà parti de l'autre côté, du coup, c'est le problème des flankeurs un peu trop en retard, on va dire, c'est que là, ils sont en train de courir après le teamfight. Là, il va arriver en mode, j'avais pas vu qu'il y avait l'ombre de Xiao, et du coup... c'est la guerre, on va se retourner sur lui et il va mourir assez rapidement, ce qui est un peu dommage pour lui. Et derrière, du côté des BLG, je sais pas ce qui s'est passé, du coup on a Bin et On qui se sont fait isoler vers le bas de la carte, et du coup forcément, du coup, Light va les suivre, les pourchasser, et en fait comme les autres BLG sont revenus pour les aider vers le bas, et bah du coup derrière, quand le reste des Weibo, donc Tarzan et Xiao qui étaient en train de se battre avec Bin reviennent, bah du coup ils vont foncer sur les gens, du coup on va récupérer le kill sur On et sur Elk. Alors oui, ça va mettre un peu le temps, mais c'est un brand, tout va bien. Et derrière, bah ça, mesdames et messieurs, c'était un plus Nashor, wouhou! Donc une composition qui était sur le point de gagner le scaling, comme ça des BLG, s'est dit qu'on allait quand même jouer ce Drake alors qu'on n'avait pas vraiment besoin de le faire. Tout ça pour perdre la game, enfin presque perdre la game, on va dire, à cause de ce genre de teamfight, parce que, voilà, on s'est dit quand même qu'on n'allait pas, laisser un Drake des nuages à Weibo Gaming alors que c'était leur premier Drake, tu vois, enfin genre... Ils ont eu les deux Drake qui seraient potentiellement les Drake les plus importants, on va dire, dans la game, et pourtant on se dit on va quand même contester ce Drake là pour rien quoi, mais du coup ouais, disons que c'est quand même une game lose angle pour ce teamfight là du côté des BLG. Heureusement du coup, avec quelques catchs bien sentis du côté des BLG, on va quand même réussir à temporiser un petit peu ce Nashor, et du coup on a que 2k gold d'avance entre guillemets pour Weibo Gaming à la fin de ce Nashor, et on a réussi quand même à récupérer le deuxième Drake des nuages. Et donc, on est 10 secondes avant le prochain Nashor, mesdames et messieurs, et les Weibo qui vont chercher à récupérer la même chose, sauf que là, du coup, c'est pas exactement la même merde, parce que là, le Smolder, il est activé, il a 3 items, le Varus, il a 3 items et demi, pareil, et même si, voilà, la Galiza, elle commence à être un peu en retard, le Yone, il est un peu en retard aussi, et du coup, c'est vrai que quand je vois les Weibo Gaming commencer ce Nashor, alors qu'on a un demi-item de retard en bot lane, un demi-item de retard en mid, et qu'on a voilà, le Jax qui est quasiment activé, on va dire il a sa stopwatch, donc techniquement sur ce fight là il est activé. Pour moi c'est pas normal de vouloir, on va dire, commencer ce fight là au lieu d'attendre au moins avoir 3 items, on va dire, enfin pour le 4ème item qui arrive des deux côtés, mais de toute façon on va dire que leur horloge est déjà arrivée à 0, hein, pour être vraiment très honnête, à 29ème minute de jeu. À la 29ème minute de jeu, normalement, Smolder, il est déjà instoppable. Donc on va quand même réessayer de tenter ce Nashor. Les BLG se pressent pas particulièrement. On a Bin qui est là pour tenter un petit peu le catch, mais il y a 15 milliards de wards, on va dire. Du coup, il est visible. Mais regardez, l'avantage, c'est qu'on a le Zonia justement qui va l'aider à temporiser suffisamment pour, on va dire, s'enfuir, flash out Dashin sur ses alliés, et du coup, tout va bien. Résultat, on a utilisé l'ulti de Renata et l'ulti de Kalista pour pas réussir à tuer un Jax qui a juste utilisé son Zonia et son Flash et qui a une téléportation, donc il va pouvoir revenir tranquillement sur sa lane. Et on a utilisé l'ulti Smolder et l'ulti Varus, mais c'est pas forcément des ultis problématiques. Donc du coup, on va dire ça va, sauf que le fight est pas terminé parce que du coup, on a Shun qui a réussi à trouver des trucs là de son côté, comme vous pouvez le voir. Il va réussir à trouver un petit catch tranquillement sur Breathe, et le but ça va être maintenant d'empêcher les Weibo de rentrer à leur base, maintenant qu'ils sont venus un peu défendre leur joueur. Et là on a du coup Bin qui arrive, du coup, vers le bas de la carte.
qui trouve du coup le catch sur Xiao, qui lui a que son ulti et son flash. Il va mauvais choix du côté de Xiao, qui va instantanément ulti au lieu de flash. Et du coup, il va se faire crucifier. Alors je pense qu'il aurait 100% plus flash avant d'ailleurs même. Mais du coup, il décide de juste utiliser l'ulti et mourir. Et derrière, gros flashing de Jun qui arrive à attraper Crisp aussi, qui va donc mourir également. Et là, on va dire que du coup, avec tous les Weibo qui ont perdu des HP et du coup les deux kills, là pour le coup, c'est un bon call Nashor du côté des BLG qui vont réussir à faire, entre guillemets, repasser la game, on va dire, à leur avantage. Et du coup, ça va être plutôt une bonne nouvelle pour eux, parce qu'on va dire qu'ils avaient un peu commencé à perdre un peu les pieds sur la game, mais ils reviennent un peu dans la partie, tout va bien. Bon, j'ai parlé vite fait de ce fight un peu sur le potentiel troisième Drake des nuages pour Weibo, où en gros, on a une prise de fight qui est commencée, on a Brief qui essaie de faire des trucs, mais en gros, il n'y a pas à se passer grand chose, c'est juste que du coup, les Weibo vont être un peu forcés en dehors de leur position pour pouvoir pour le Drake, et on va dire, comme Chris va prendre une grosse flèche sa mère, au lieu vraiment de commencer à contester le Drake, ils vont partir instantanément sur la mid lane et ils vont essayer plutôt de push un peu de leur côté, mais en fait derrière on va tenter un catch run et on va réussir je crois à le tuer au bout d'un moment, ouais c'est ça. Et au final, bon, les BLG qui font un peu des trucs bizarres, on a Bin pareil qui se retrouve un peu tout seul en V4, et finalement je crois, ok, Brief va mourir aussi, mais du coup ouais, ça va pas laisser suffisamment de temps au Weibo de récupérer la T2 en mid lane, en fait un peu fouillé encore une fois des deux côtés, mais on va dire la soul passe un peu de plus du côté de BLG. Et du coup, l'action qui va, on va dire, sceller la game, mesdames et messieurs, c'est une action qui va se passer dans le top side de la jungle de Weibo Gaming, où Tarzan va se faire attraper par Jun, qui va lui foncer dessus instantanément. Et Xiaowu, bah, on voit qu'il essaie de faire ce qu'il peut, mais enfin, les dégâts sont pas forcément suffisants. On arrive quand même à récupérer, grâce à Renata, le kill sur le Varus de Elk. Mais derrière, est-ce qu'on a suffisamment de dégâts pour faire des trucs? Oui, on y arrive quand même un petit peu. Mais Knight, il est encore en vie, il est free DPS tranquille. On va récupérer quand même quelques kills. Et au final, est-ce qu'on va réussir à faire un truc? Normalement, il y a Bin qui est de retour, mais je crois qu'ils vont pas tenter grand-chose de plus. Quoique, en fait, attends, c'est un replay, ça? Non, c'est un replay, ok, tout va bien. Mais, du coup, à peine tout le monde respawn, on tente un super Nashor, mesdames et messieurs, encore une fois, avec Xiao qui va tenter de faire un catch sur On. Alors, ouais, voilà, hein, c'était un peu le problème, c'est qu'effectivement, du coup, bon, il y a juste à flash out et tout va bien. Et résultat, on n'a plus d'ulti, plus de flash, enfin plus d'ulti du coup sur le Yone, et on n'a aucun flash sur le bot side, on va dire. Donc là, c'est un peu compliqué, on va dire. Et derrière, comment est-ce qu'on va s'en sortir du côté des BLG? On va essayer de faire des trucs, mais Brief qui va réussir à envoyer, encore une fois, le Skarner sur Mars. Et derrière, on récupère le Nashor. Mais là, comme vous pouvez le voir déjà, on a deux personnes qui sont au bord de la mort du côté des Weibo. Et de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, il y a Bin qui est tranquillement en train de tabasser la base. Et du coup, Knight qui va tranquillement venir récupérer les kills avec son Smolder, tranquillement, voilà, parfait. On a eu le back qui a été terminé de la part de Brief et de Tarzan, mais c'est, on va dire, dans une posture assez difficile du côté des Weibo pour essayer de tenir pour les 20, les 30 prochaines secondes. Et on a du coup le tentative de Heroic Play du côté de Brief qui va foncer sur les sbires pour essayer de les emmener loin, mais en fait, il y a une wave en mid lane. Du coup, tout va bien, en fait, on n'a pas besoin de... Voilà, tout va bien, on a Bin qui va tenter des trucs, mais bon. Voilà, il a fait un peu. Bin, il a fait un peu acte de présence dans sa game, mais il a créé de l'espace. Il a créé de l'espace pour son équipe et c'est le principal. Et le résultat, mesdames et messieurs, c'est la victoire des PLG dans cette première game sans vraiment. Bon, voilà. C'était pas le meilleur niveau de jeu qu'on a vu des Worlds, mais au moins, ils ont réussi à assurer, on va dire, cette game qui, de toute façon, allait un peu dans leur direction après avoir récupéré le scaling du Smolder. Cette deuxième game va être le moment pour les Weibo Gaming de sortir une draft ouf. Ah, la draft full early game, hein. Là c'est la guerre. Alors le premier Maokai top de cette compétition aussi du côté de Brief, qui du coup vont utiliser un petit peu ce flex pour au final sortir la Elise. Alors je trouve quand même que flex un Maokai, faire un peu le Masterful Gambit, tu vois, si tu veux. Faire le gigantesque pari de hop, en fait tu penses que c'est un Maokai jungle, mais en fait il est en top lane et je peux sélectionner mon jungler en utilisant le counter pick pour au final sélectionner Elise. Aïe, c'est un peu l'équivalent si vous voulez de on te donne un billet d'avion pour aller où tu veux gratuitement et tu l'utilises pour aller pour faire Paris Mulhouse, tu vois, c'est à dire que il y avait des meilleurs choix, on va dire, un peu complexe, mais bon. Écoutez, du coup, on se retrouve avec le fameux Lucian de Xiaowu. Je sais pas s'il a une game de gagner dans ces Worlds. Mais ouais, derrière Kalista Renata, on change pas en termes d'identité de jeu, de Weibo. On est même parti sur un truc encore plus agressif en early game. Et du côté de BLG, ben, ma foi,
on est sur une game, encore une fois, plutôt sur un fauteuil. Hein. On a le Ziggs tranquille pour faire un petit peu de skilling avec la Syndra, le Jax de Pin qui est récupéré, June aussi sur son Skarner. Voilà, on est tranquille. Bon, il y a la Rel un peu. Bon, on sait pas trop ce qu'elle fait dans cette draft, qui est un peu plus une draft défensive qu'autre chose. Mais bon, écoutez, si ça peut aider un petit peu la phase de lane, pourquoi pas. Sauf que le problème, lorsqu'on utilise une draft early game comme ça, c'est qu'en fait, t'es forcément obligé de jamais lâcher la balle. T'es obligé d'être devant du début à la fin de la game, sinon dès que tu passes derrière, ça va être compliqué pour toi de vraiment commencer à build ton snowball. Et le problème, c'est que quand tu tentes une invade, comme celle qu'ils sont en train de faire, et que derrière, on a BLG qui arrive et qui vont, du coup, au lieu de vraiment essayer de prendre à revers les Weibo, juste s'isoler, on va dire, light tranquillement, et du coup, le tuer très rapidement, voilà, on récupère le First Blood, en plus sur la Syndra, donc c'est parfait. Et derrière, les Weibo qui sont obligés de se parler la queue entre les jambes, et Brush qui est un petit peu dans une mauvaise posture, mais on va se retourner à la fin sur Xiaowu, est-ce qu'on va réussir à récupérer un kit? Pas vraiment. Mais c'est vrai que du coup, là, on va dire que la game qu'on bosse pas très 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 bien pour les Weibo, sachant que c'est une composition qui est obligée d'être devant, quoi. Donc là, la game va être un petit peu compliquée, quoi. Il va quand même y avoir une action qui va un peu permettre aux Weibo de quand même prendre un petit peu d'avantage, quand même, dans cette game. C'est le moment où on va avoir, on va dire, un push contre push, si vous voulez, un petit peu, un petit base race mini, on va dire, qui va être lancé du côté des deux équipes. Sauf que d'un côté, on a une Syndra et un Skarner qui auto-attaquent la tour, même s'il y a un Ziggs qui arrive hein, derrière. Et de l'autre côté, on a du coup la Kalista avec Seagrubs et le Maokai qui vont arriver tranquillement. Et du coup, bah, on peut pas forcément contester autant, on va dire, le push du côté des BLG. Donc on va s'arrêter très rapidement. Sauf que du coup, les Weibo vont juste continuer et vont récupérer assez rapidement la deuxième tour en bot lane. Et comme vous savez, les T2 dans ce jeu, ça vaut énormément d'argent. En plus, on peut tranquillement s'enfuir vers le Drake et le récupérer. Donc on est à un Drake partout, 6 grubs à 0 et un petit Kaggle 5 d'avance qui va être augmenté un petit peu plus au fur et à mesure, même si du coup, c'est pas forcément si impactant que ça parce que, encore une fois, ils doivent être vachement plus en avance dans la partie, le Weibo. Et du coup, on a 24 minutes de jeu, mesdames et messieurs, et voilà, on est à 42 contre 42. Voilà, pourquoi est-ce qu'on est à 42-42? C'est parce qu'effectivement, BG n'a pas refait la même erreur que la game 1, c'est-à-dire que le troisième Drake était donc le premier Drake des nuages, et ben ils l'ont juste pas contesté. Et qu'est-ce qui se passe quand tu contestes pas un Drake? Et ben à la place, tu récupères d'autres choses sur la map, tu gardes un peu tes ressources, et au final, ben, en plus de quelques caches qu'ils ont récupérés par-ci par-là, on arrive du coup très rapidement à du coup une égalité parfaite des gods à 24e minute, ce qui veut donc dire que la draft de Weibo est derrière. On va dire qu'ils doivent avoir un truc entre 2 et 4 gold de retard, là, en termes de puissance, entre guillemets, dans la partie. Parce qu'effectivement, avec une draft comme celle qu'ils ont, ils peuvent pas se permettre d'être even, on va dire, dans la game. Et du coup, du côté des Weibo, on va tenter des trucs. Alors, on a Crisp qui se prend quand même un petit peu de dégâts, mais tranquille. Et en fait, on va tranquillement essayer de faire... Ils vont récupérer un autre Drake des nuages, du coup, en bot. Et derrière, on va du coup téléporter en essayant de récupérer le kill sur Knight hein, ou de catch June, mais June va s'enfuir assez rapidement. Mais du coup, du côté des BG, on fait, bah tu sais quoi, la TP, on va y aller très rapidement, on va tenter le Nashor. Le truc, c'est que Knight, il est pas parti sur sa base, il est parti sur sa T2 intelligemment, ce qui fait qu'ils peuvent revenir assez rapidement. Et derrière, Bin, il flanque en du coup faisant une TP dans le bac. Et là, du coup, ah, c'est un peu le call Nashor le plus smart de la planète, là. Donc on a Chris qui va essayer un peu d'empêcher... Shun de tenter un quelconque style, mais du coup le problème c'est pas forcément le fait de récupérer le Drake, c'est qu'est-ce qui se passe juste après, parce qu'en fait du coup là on va quand même réussir à récupérer quelques trucs. On a Shun qui arrive à oulala, c'est pas si bien que ça en fait. On a Ben qui se fait un stand derrière, Shun qui récupère des trucs mais il est un peu tard, il essaie de il sait pas trop sur qui se focus pour être honnête. Ned qui met quelques kills, il va quand même réussir à récupérer un kill juste après. On est sur du 3 contre 3, Xiaowu qui se bat, qui se démène. Mais du coup, Breath qui est un petit peu laissé pour compte, et bon, il peut pas forcément bouger, il peut pas forcément faire grand chose. Il a quand même réussi à récupérer quand même d'HP. Ça va en fait, mais c'est pas suffisant. Au bout d'un moment, il va mourir. Et derrière, par contre, Xiaowu qui a eu le temps de TP, il est parti pour faire le play, le monster play, mesdames et messieurs. Et bam, en fait, il se fait stun et instantanément tué derrière, parfait. Bon, il a récupéré le kit sur support, c'est déjà pas mal, mais est-ce que t'avais vraiment besoin de faire ça quand vous avez le Nashor, tu sais? Genre, est-ce que t'as besoin de récupérer le kit sur le support? Alors que toi-même, tu as un Nashor et que tu pourrais juste rester avec ta team. Bon, là, du coup, on n'a plus qu'un seul Nashor pour les Weibo. Ce qui n'est pas forcément le meilleur play de la planète, hein, pour être vraiment très honnête. Parce que le problème, c'est qu'ils avaient vraiment besoin de ce Nashor pour vraiment accélérer dans la partie. Du coup, là, on en est à... Alors,
il va y avoir un catch, on sait pas trop pourquoi. C'est pas nécessaire d'avoir ce genre de catch, il y a plus de Nashor, il y a plus de Drake. Mais on arrive quand même à trouver le kill sur Light derrière. On a Bean qui est en train de run sur Brave. Brave qui va récupérer quand même le kill sur Run, mais qui va mourir derrière. Donc c'est pas si worse que ça. En plus, le stun qui passe sur Crypt, on voit qu'au niveau des dégâts, on n'arrive plus à avoir les mêmes jus, on va dire, du côté de Weibo. On n'arrive plus à one-shot les cibles aussi rapidement et aussi facilement qu'avant. Et c'est un petit peu normal, hein, on va dire que l'outscaling est un petit peu activé du côté des BLG. Et l'action la plus importante de cette game, mesdames et messieurs, c'est celle du Drake et de la potentielle âme du côté des Weibo Gaming. Et là, du coup, on va se battre, enfin, ça c'est sûr. On a Bean qui est de retour en discussion de flanc. Le problème, c'est que Chris, comme vous pouvez le voir, il prend déjà extrêmement cher de loin. C'est pas forcément un problème de Chris pour lui-même, c'est juste qu'effectivement, Renata, contre des personnages qui l'outrange, ben, elle peut pas forcément faire grand-chose, hein, ça c'est sûr. Et du coup, on a du coup Brief qui était donc dans le pit du Drake là, en train d'essayer de pull le Nashor, mais il est un peu perdu sur la map. Et du coup, il va se faire collapse parmi à travers le mur, et le flash out n'est pas suffisant. Il va quand même mourir, on est sur du 4v5, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'HP. Donc Xun qui va faire une tentative. On va dire qu'il y a eu une tentative, mais on va dire que ça a quand même porté un poil ses fruits. Non, il va mourir quand même. Le truc, c'est que de l'autre côté de la map, on voit qu'il y a Tarzan qui derrière a tenté des trucs, mais il s'est fait stun instantanément. Il flash in, mais il va se faire tuer assez rapidement par Bean et derrière, enfin par Bean, par Knight. Et derrière, on a du coup Bean et Elk et Knight, donc les trois carry qui sont contre la botlane. Et Kalista, elle peut faire ce qu'elle veut, mais au bout d'un moment, c'est Jax en face. Et du coup, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Elle doit gérer trop de trucs. Et derrière, Crisp aussi, bon bah, c'est une Renata quoi. Et derrière, on va pas se récupérer le Drake du côté des BLG. On sait qu'on a un Ziggs, et du coup, on va plutôt récupérer la game à la 31 minutes de jeu. Et mesdames et messieurs, sans spoiler, c'est suffisant en personne pour terminer cette game. Et du coup, 2-0 pour BLG. Alors, cette stratégie un petit peu de Weibo de tenter en full early game, on voit qu'ils l'ont tenté plusieurs fois, et même contre les équipes un petit climat un peu moins fortes comme Fnatic, ça a déjà pas fonctionné. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils la retentent contre une équipe plus forte et qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait un résultat différent. Mais du coup, le fait est que même si la game elle a l'air entre guillemets close, le truc c'est que Bilibili Gaming, ils cherchent à ce que la game soit lente et qu'il n'y ait pas grand chose qui se passe et que du coup la game justement ait l'air close, parce qu'en fait c'est à ce moment-là que les Weibo sont censés mettre le coup d'accélérateur, et comme ils n'ont pas réussi à le mettre, au final ils se sont juste fait marcher dessus dans les teamfights les plus importants de la partie plus tard. Mais par contre, dans la draft numéro 3, on a eu quand même un petit peu de changement. Écoutez, Weibo, ça y est, on part pas plus sur une compo full Zug. Là, on est plutôt sur un truc un petit peu plus standard, mais on va dire poly, plusieurs menaces, on va dire. Plusieurs menaces, ça c'est sûr. Donc, on a le Yone qui est récupéré à nouveau du côté de Xiao. On le récupère à nouveau. On a cette fois-ci du coup le Ezreal du côté de Light. Donc, effectivement, hein, si vous voyez Ezreal, Ezreal avec un chinois slash coréen, vous voyez qu'il y a peut-être un moyen d'avoir un petit banger. Le Rumble cette fois-ci qui est sécurisé, on tente vraiment tous les counter picks de la planète hein, contre Jax de Bean au lieu de le ban, c'est très intéressant quand même. Ouais, parce que c'est vrai que du coup ils ont banni la Kalista, les Weibo, parce qu'ils sont vraiment dit que c'était un pick extrêmement fort, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'arrivent pas à gagner avec. Et derrière le Maokai qui cette fois-ci du coup est en support, mesdames et messieurs, hein, le flex pick ultime, hein, mesdames et messieurs, qui est récupéré. Et c'est Juani qui est cette fois-ci en jungle, donc ouais, on a une compétition avec pas mal de frontline quand même au niveau du support. Et derrière, on va dire, un peu multi-menace. Après, bon, il n'y a pas une identité précise qui se dégage, pour être vraiment très honnête. Parce qu'il y a Lyonnais qui veut quand même aller go-in, mais le Rumble, il ne veut pas non plus trop le faire. Enfin, peut-être que c'est vraiment full une compo go-in, parce que cette jeune, il ne peut pas forcément faire grand-chose de plus que go-in. Mais ok, il peut quand même aider un peu. Ouais, donc je suppose que c'est plus une composition offensive, mais c'est vrai que bon, on est pas sur les meilleurs champions pour le faire. Et du côté de BLG, on est sur une composition qui a quelques éléments défensifs, mais qui est quand même principalement pareil, assez offensive. Avec du coup le Jax qui va être récupéré, qui va du coup, bon voilà, le fameux Jax de Bean, on a compris, il va être plutôt agressif, hein, pareil. Le Skarner qui lui va se charger, on va dire, de pile pour son équipe tranquillement. La Kaïsa de Elk, qui peut être intéressante du coup pour, on va dire, snowball sur une engage pour, on va dire, follow-up derrière. Sur des potentiels going to Bean. Et derrière, on a pareil pour follow-up, là, Akali de Knight. Alors, c'est peut-être la pire game d'Akali, pour être honnête, parce que entre le Rumble qui te boxe au corps à corps et derrière le Maokai et la Sejuani qui sont là pour te cesser à tout moment, c'est un peu compliqué de trouver les opportunités de tuer le Ezreal ou le Yone qui sont en plus pas forcément les meilleurs champions pour, on va dire, à one-shot pour lui. Mais on va dire que au moins, c'est pas forcément une lane qui est si difficile que ça, on va dire, pour lui. Et le Alistar qui va être là pour empêcher les gens de se retrouver sur ce carry, on va dire. Et du coup, la game, par contre, elle va être vachement plus
sanglante que les autres games, mesdames et messieurs. On a du coup énormément de kills qui vont être récupérés, alors que bizarrement, c'est les drafts où il y a le... Où il y a du scaling des deux côtés, où il y a vraiment de l'action, parce que du coup, les deux équipes peuvent se permettre d'avoir de l'agression, si tu veux. Mais ouais, du coup, on va tenter des trucs des deux côtés. Là, pour le coup, alors cette action n'est pas incroyable, mais c'est juste après qu'il va se passer un truc. On a du coup les Grubs qui vont être tentés de récupérer du côté des BLG. Il va y avoir un go-in derrière. On va quand même réussir à plaquer contre le mur Xiao, mais tout va bien se passer. On sent que ça se bat. Hein, on sent qu'il y a des tentatives. Et là, le problème, c'est que les Weibo vont aller un peu trop loin. Crisp qui va essayer de faire des trucs, mais qui va flashot vers Bin. Du coup, bon. Mauvaise idée quand même. Et derrière, Knight qui est un peu loin mais qui va quand même réussir à s'enfuir. Et du coup, les BLG qui récupèrent leurs kills, leurs grubs et qui s'en vont. Juste après, on va avoir du coup le gank sur Xiao, mesdames et messieurs, avec Shun et Bin qui vont arriver tranquillement sur sa gueule et qui vont du coup récupérer le kill malgré le flash out de ce dernier. Et qui en plus bah, vont continuer. Ils vont faire une incursion du coup derrière dans la jungle topside des Weibo et qui vont récupérer en plus le kill sur Crisp. Donc on va achever de mettre le Jax de Bin extrêmement bien dans la game. Shun qui va se sacrifier pour la team. Derrière, pour pouvoir permettre à ces derniers de s'enfuir. Et du coup, le résultat, c'est que du côté du coup de Skarner, tout comme du côté de Bin, on est quand même sur une très, très bonne, un très très bon avantage au début de la partie. Et donc, ça va clairement pas mal aider les BLG à vraiment s'affirmer dans cette partie. D'autant plus que Tarzan a décidé d'oublier sa calculatrice en Chine, puisqu'il a effectivement récupéré le exploit. Pas le exploit, je sais plus. Le Zeke. Qui est un bon item de merde quand même, donc bon, je sais pas trop... Non, je sais pas d'où ça vient, pour être vraiment très honnête, donc ouais, c'est vraiment pas fou. On a d'ailleurs une action cross-map qui va être réalisée, du coup on a le VLG Knight qui va tranquillement récupérer la tour de son côté. Brief qui défend la tour, ce qui va pas forcément être un super choix, puisque non seulement elle va tomber dès le début, mais en plus, on a Hon qui vient, on va dire, au soutien, et qui vont donc permettre du coup à Bin de... enfin Knight de récupérer le kill sur Brief. De l'autre côté, le Herald qui va pas réussir à venir à bout de la top lane, de la tour mid lane. Et derrière, Knight qui arrive à s'enfuir tranquillement. Et du coup, les Weibo vont se rapatrier sur le Drake. Mais du coup, on est au final sur même, voilà, une égalité en termes de grubs et de dragons. Mais on est quand même sur un léger avantage du côté des BLG en termes de gold. Et derrière, on a des tentatives stylées qui vont se passer. Donc déjà, on a Hon qui va, on va dire, attirer l'attention sur lui pour derrière envoyer Tarzan de l'autre côté du mur, et du coup c'est un peu la merde pour lui parce qu'il avait déjà utilisé le dash, et derrière Shun qui va hop récupérer deux pour le prix d'un, mesdames et messieurs. Mais derrière on va go in du coup avec Xiao qui va aussi essayer de mettre les dégâts qu'il peut. Knight qui va, on va dire, se faire focus pas mal et qui va quand même pas tomber, tout va bien, mais derrière les BLG qui se sont aussi un petit peu trop commit et qui vont se faire climatiser tour à tour, et on est sur un magnifique 3 pour 1 du côté des Weibo. Donc c'est plutôt pas mal. Au final du coup, tout ça pour dire qu'après toutes ces actions-là, on est, mesdames et messieurs, à 20 minutes de jeu, et c'est quasiment even au gold. J'adore ma vie, et j'adore les Worlds à tel point, voilà, on est toujours vraiment diverti à chaque fois, c'est incroyable. Et du coup, on est au troisième Drake, le fameux troisième Drake, mesdames et messieurs. On a, du coup, le Drake qui est, on va dire, engagé du côté des Weibo. Les BLG vont être un petit peu tard pour, on va dire, vraiment contester le Drake, puisque du coup, Shun n'a pas eu le temps de l'utiliser là. La séjournée de Tarzan pour pouvoir empêcher le smite, mais il va quand même essayer de le récupérer vers lui, et là du coup c'est la guerre, parce que du coup on a Elk, Bin et Hon dans le pit. Elk qui va, on va dire, flash out très rapidement pour éviter de se prendre le gros burst de dégâts. Brief qui va foncer derrière de son côté, mais qui va pas forcément faire autant de dégâts que ce qu'il voudrait, et de l'autre côté on a Knight qui réussit à récupérer le kill sur Light tranquillement. Cliff qui arrivera un petit peu trop tard, et du coup derrière, ouais, Brief et Elk qui sont morts avec Tarzan. Derrière, Crisp qui va s'enfuir, non, si, non, c'est bon, ça va, Knight va aller le récupérer. Et derrière, c'est le lâcheur du côté des BLG. Bon, la game a enfin explosé de leur côté, enfin, de leur avantage, on va dire, à leur avantage. Et derrière, mesdames et messieurs, on va dire que, ouais, qu'est-ce qu'on a tenté du côté de Twitch, je sais pas trop, je sais pas, peut-être qu'ils s'attendaient à one-shot tout le monde, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Disons que, ouais, la game a quand même vachement tourné en faveur des BLG. Et du coup, toutes ces dernières secondes de gameplay vont partir du coup d'un super catch de Bin qui était caché dans un buisson et qui a donc récupéré le kill sur Xiao grâce à Knight justement, qui était là aussi et qui a permis du coup de suivre le E de Yune. Et derrière, une engage qui va être tentée de la part de Weibo de l'autre côté de la map, mais du coup, magnifique, on va dire encore une fois, magnifique temporisation de Skarner avec l'ulti du coup, qui va permettre à Elk de mettre suffisamment de dégâts pour pouvoir récupérer le kill sur Bin. Tarzan qui va récupérer le kill à son côté, mais ça va être un petit peu trop tard. Et de l'autre côté, vous avez vu, Knight qui va aller tranquillement récupérer le kill sur Light. C'était un petit peu, voilà. Ok, donc là, j'avoue que à ce moment-là de la partie, quand il est en 6-0-2, enfin en 4-0-2, le ref,
C'est vrai que un peu plus facile pour jouer à Cali derrière. Et derrière, bah, mesdames et messieurs, c'est du 5-0 à 25 minutes de jeu. Et du coup, on va récupérer pas mal de tours. On va pas terminer la game tout de suite, parce qu'il y aura un autre fight où derrière, du coup, on a Shun qui, en voulant un peu intercepter la rotation de Weibo, va faire un triple ulti, mais pas si bien que ça, du coup. Parce que lui, il va se retrouver un peu tout seul, parce que Elk a dû esquiver l'ulti de Rumble. Et derrière, bon, il va finir par mourir un petit peu tard, mais derrière, Knight qui va venir rassembler et ramasser les kills tranquillement. Voilà, et derrière, il y a trop d'avance du côté des BLG pour forcément permettre à Weibo de faire quoi que ce soit. Et au final, ce sera un 5-1. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de la partie. Les BLG qui écrasent tranquillement les Weibo Gaming 3-0. Il n'y a pas eu vraiment de game, à part potentiellement quelques moments clutch de Weibo dans certains teamfights. Mais ce n'est pas forcément des plays qui ont créé une tendance un peu plus globale pour Weibo. Et BLG qui avance tranquillement vers la finale sans avoir été particulièrement convaincant, pour être vraiment très honnête. Ils n'ont pas forcément l'air d'être les God Slayers qui doivent être lorsqu'ils vont se retrouver face à l'adversaire de soit T1, soit Gen.G. En finale, compliqué un petit peu comme BO des deux côtés, et pour la Chine en général, on ne sait pas trop quelles peuvent être leurs estimations, leurs ambitions quand il s'agit, on va dire, de la finale. Mais on va dire que ça va être intéressant de voir un peu comment est-ce que ils vont pouvoir essayer de challenger l'équipe coréenne qui va les affronter en finale la semaine prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle. À tout le monde.